Mais donc, est-ce que nous voulons, pas de privatisation, oui ou non, parce que c'est un des arguments. Certainement pas, mais c'est des arguments qui sont d'une mauvaise foi absolument stupéfiante. C'est les mêmes arguments qu'on employait en 2009 pour la Poste, en disant surtout ne touchez pas à la Poste, le volume de courrier baisse, l'activité diminue, mais on touche rien, parce qu'il pourrait y avoir de privatisation. C'est de dire, il n'y a si pas eu de privatisation à la Poste, si la Poste arrive, la est devenue plus compétitive. Ouais. Eh bien, nous ferons la même chose pour la SNCF. Service public, ça veut dire quoi, Guillaume Durand? Ça veut dire service du public. Et moi, ce matin, c'est d'abord au public que je pense. À tous les Français aujourd'hui qui sont privés de train. À tous ceux qui ne peuvent pas se rendre sur le lieu de travail parce qu'il n'y a pas leur train dont ils ont besoin au quotidien.